inviter quelques instants à courber vos têtes. On va demander au Seigneur de nous bénir. Notre Dieu, nous te bénissons. Nous voulons te louer pour déjà ce moment où nous avons chanté, célébré, adoré, loué notre Seigneur pour sa grandeur. Seigneur, le culte est à toi, il est pour toi. Et ce matin, nous voulons tourner nos cœurs vers toi par le moyen de ta parole, Seigneur, parce que ta parole nous ramène à toi. Ta parole nous amène à tes pieds. Ta parole nous amène aux réalités spirituelles que nous ne voulons pas négliger, Seigneur. Nous voulons nous attacher à toi seul. Nous voulons t'aimer toi seul, Seigneur, de tout notre cœur, de toutes nos forces, Seigneur. Et ce matin, nous t'offrons ce temps. Nous aurions pu le destiner à bien des tâches, peut-être même à un temps de repos. Mais ce temps, nous l'avons mis à part pour toi et nous te l'offrons comme un culte qui te réjouit. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits et ta fidélité. Louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va ensemble lire deux textes. Cette semaine, j'ai eu une pensée qui est venue sur mon cœur que je voudrais partager. Une pensée qui, je souhaite, répondra aux besoins d'aujourd'hui, parce que nous savons une chose, c'est que la parole de Dieu n'est pas un livre décalé, ni un livre dépassé. Ce n'est pas un livre qui nous projette dans un avenir qu'on a du mal à, dans lequel nous avons du mal à entrer, ni un livre qui nous entraîne dans un passé qui a vieilli et qui ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Non, la parole de Dieu, elle est actuelle. On trouve dans la parole de Dieu tout ce dont nous avons besoin pour les besoins d'aujourd'hui. Amen. Nous avons des besoins. Nous avons réalisé dans notre cœur un jour que nous avions des besoins spirituels. C'est pour ça que nous nous sommes convertis, que nous avons donné notre cœur au Seigneur. Nous avons donné de la priorité à notre vie spirituelle et on bénit le Seigneur de ce que, en mettant toutes sortes de richesses spirituelles, notre vie a changé et on a pris une nouvelle orientation. Et maintenant, notre responsabilité, notre rôle, c'est de nous maintenir dans la foi et de nous maintenir dans la vie chrétienne. Alors je vais lire ce passage avec vous dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 8e. Vous connaissez ce passage où nous lisons 18, verset 8e. Il est dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et je voudrais l'associer à un deuxième passage dans l'évangile de Luc, toujours chapitre 22, et verset 31, chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Jésus dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermi tes frères, ou quand tu seras revenu, selon les versions, quand tu seras revenu, affermi tes frères. Vous avez remarqué qu'il y a un dénominateur commun entre ces deux textes, c'est la foi. La foi qui provoque, du moins, cette question au Seigneur, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Et la deuxième chose, c'est que Jésus, son départ, va dire « Satan vous a réclamé », même avant la croix, « Satan vous a réclamé pour vous cribler ». Et j'ai prié, non pas pour que tu puisses ne pas connaître cette épreuve, mais non seulement tu vas la connaître, non seulement cette épreuve va t'entraîner dans la souffrance, dans la difficulté, peut-être même elle va t'entraîner aussi dans le fait que tu vas m'abandonner. Eh bien, j'ai prié pour que dans ce combat, dans cette difficulté, dans cette épreuve, ta foi ne défaille pas. On sait une chose, c'est que ce qui est nécessaire pour nous aujourd'hui, les besoins de notre génération, les besoins de la fin des temps, c'est que nous apprenions à veiller sur notre foi, que nous apprenions à jauger notre foi, à nous préoccuper de l'état de notre foi
Et on sait une chose, c'est que l'ennemi attaque la foi des croyants. Et si notre foi est défaillante, si nous n'avons pas le réflexe de vivre notre foi dans une normalité voulue de Dieu, alors nous allons vivre une vie extrêmement destructrice. Parce que quand le diable, et on le voit dans ce passage, sent une faille, sent une faiblesse, il crible, il attaque. Et voyez-vous, l'adversaire n'a que faire des gens qui vont en enfer. Le diable n'a que faire des gens qui ne marchent pas avec Dieu. Il sait très bien où ils vont. Il sait très bien qu'ils sont perdus. Et il va employer toute son énergie, il va employer toute sa force pour essayer de dérouter les enfants de Dieu de la foi, de leur donner une foi d'apparence, de leur donner une foi fragile, de leur donner une foi changeante. Et même l'apôtre Paul va parler dans ses épîtres de gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, il considère que quand la foi affaibli, quand la foi s'est écroulée, eh bien c'est terminé, c'est terminé. Et nous avons besoin de veiller. La Bible dit que dans les derniers temps, nous aurons l'apparence de la piété. Et dans la piété, il y a la foi aussi. Il y a le comportement de la foi, il y a la pratique de la foi. La piété, c'est toute la vie pratique du chrétien. La foi, c'est la marche du chrétien. Donc, on ne peut pas dissocier la piété de la foi, parce que la piété découle de la foi. La piété vient de la foi. Et donc, dans les derniers temps, les gens auront l'apparence de la piété, auront l'apparence d'être dans la foi, auront l'apparence de marcher dans la foi. Donc, nous devons veiller. Et voyez-vous, le diable essaie de cribler. Alors, il est évident que les armes que l'adversaire utilise aujourd'hui peuvent être différentes de celles qu'il utilisait hier. Bien que, il y a aussi les mêmes armes qu'il peut utiliser, celles qu'il utilisait hier. Et j'aimerais ce matin que nous puissions développer ce sujet, c'est le thème « La passion qui triomphe de la pression ». La passion qui triomphe de la pression. Pourquoi ? Parce que deux mots se sont imposés à mon esprit, c'est le mot « pression ». Pression que nous vivons aujourd'hui, que nous subissons aujourd'hui, la pression qui est là sur notre cœur, comme si nous étions dans le crible, comme si nous étions dans une sorte de jardin de Gethsémané, une pression. Mais cette pression, quelquefois, vient pour entamer terriblement notre passion pour le Seigneur et pour notre marche chrétienne. Et nous devons aussi évaluer cela. Il y a des réalités dans la vie qu'il nous faut considérer. Quelle est la première place? À qui donnons-nous la première place? Quelqu'un a essayé de calculer de quoi était faite une existence classique de 70 ans. Donc on espère tous au moins arriver jusqu'à 70 ans, on espère au moins. Si on peut plus, tant mieux, mais on sait très bien que ça ne dépend pas de nous. Mais dans une vie bien remplie de 70 ans, voilà les calculs qui ont été faits. On passe 23 années à dormir. On passe 16 années à travailler. Heureusement qu'on dort plus que ce qu'on travaille. Enfin, ça dépend pour qui, d'ailleurs. Il y en a qui dorment beaucoup plus encore que ceux qui travaillent. Il y en a qui travaillent plus que ceux qui dorment. Des fois, on pourrait dire qu'il y en a peut-être qui travaillent en dormant. 8 années à regarder la télévision. 6 années à manger. 6 années à voyager. 4 ans et demi dans les loisirs. 4 ans à être malade, 2 années à s'habiller, et on passe seulement 6 mois à des activités spirituelles. Et je crois que ça nous aide à réfléchir quelle position avons-nous donnée à Dieu. Alors, je ne dis pas que ça correspond à vous, ça correspond à l'Église de Limoges, je ne sais pas. J'ai pris ça, ce sont des statistiques, des calculs qui ont été faits. Mais toujours est-il que, quelquefois, on s'aperçoit que les choses de Dieu passent à la dernière place. Quelquefois, on se rassure en disant, mais vous savez, pasteur, je pense à Dieu toute la journée. Je prie Dieu toute la journée. C'est bien,
c'est bien, il n'y a pas de mal à cela. Mais je crois que quelque part, il y a des priorités dans notre vie. Vous savez, quand j'étais enfant, et sûrement ça vous est arrivé à vous aussi, adolescent, jeune, quand j'allais au cinéma, maintenant on n'en voit plus de ces choses-là. Et même des fois, quand je prenais le bus, enfin le certain vieux bus, et je ne sais pas, là, peut-être les professionnels pourraient me dire si ça existe toujours, il y avait des strapontins. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent des strapontins? Ah, merci, venez à mon aide. Il y en a, vous avez oublié. Mais ce n'est pas grave, si vous avez oublié, je vais rafraîchir votre mémoire. Il y avait des strapontins, et les strapontins nous permettaient de nous asseoir quelque part alors que toutes les places étaient prises. Vous vous rappelez de cela? Quelquefois, on arrivait au cinéma, on faisait partie des derniers, et on cherchait partout une place, il ne restait que des strapontins. Alors dans l'allée, il y avait une espèce de siège qu'on rabattait comme cela, et on se mettait là, on se sentait un petit peu idiot. Mais c'était ça où tu restes debout. Et quelquefois même, on prenait des bus ou des cars, surtout des cars qui faisaient des trajets plus longs que les bus. Eh bien, on arrivait un petit peu le dernier, et là, dans l'allée, il y avait un strapontin. Il fallait, alors s'il y avait quelqu'un qui sortait à l'arrêt, il fallait se lever pour le laisser passer. Après, on se rassait. C'est inconfortable, un strapontin. Mais quelquefois, ça m'a fait penser au fait que quelquefois, à Dieu, on lui a donné le strapontin de notre vie. Il est assis. Il est dans notre cœur. Mais quelle place avons-nous donné à Dieu? Comme si Dieu passait après. Il passait après. Passer après beaucoup de choses, après nous-mêmes, après nos préoccupations, nos soucis. Dieu passe après, Dieu va être servi le dernier. Or, Dieu ne demande pas d'être assis ni sur un strapontin, ni sur un siège, ni même aux commandes de notre vie. Ce que Dieu veut d'abord, c'est être assis sur le trône de notre vie. Amen. On sait que Dieu dans le ciel est assis sur un trône. Et Dieu veut être là. Et quand on voit que Dieu a incité Moïse, a ordonné à Moïse de construire le tabernacle, eh bien, il y avait un lieu tout à fait particulier où il y avait, qui était appelé le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Et là, il y avait l'arche de Dieu dans le lieu très saint. Et c'était l'endroit le plus important. Tout gravitait autour de cet endroit. Et personne n'avait le droit d'y entrer, seul le souverain sacrificateur une fois par an. Il y entrait pour apporter du sang, le sang des victimes. Dieu ne veut pas le strapontin de notre vie. Dieu ne veut pas être remisé dans un coin. Dieu ne veut pas arriver comme étant le retardataire de service. Vous savez, comme si nous, on avait accepté bien des choses dans notre vie. « Oh, ben Dieu, je t'ai réservé une petite place là. » Oh, c'est beaucoup d'honneur que je te fais, hein. Presque Dieu, tu pourrais me remercier quand même. Tu pourrais avoir un petit peu plus de reconnaissance. Je t'ai mis dans un petit coin de ma vie. Non, Dieu doit être là comme le souverain, doit être là comme le maître, et non seulement de notre vie, mais de tout ce qui va découler de notre vie. Comme si nous voulions que Dieu soit impliqué en toutes choses. Notre positionnement est important. Quel est votre positionnement dans la foi? Ce matin, je vous interpelle avec des questions pour que nous nous interpellions les uns les autres, mais que les choses soient remises en place aussi. Parce que quelquefois, notre vie spirituelle peut subir des désaxements. Je ne sais pas si ça se dit. Comme notre vie, comme si elle était, moi je vais le tourner différemment, notre vie, elle était désaxée. Et il faut repositionner les choses. Pourquoi, quelquefois, la pression vient faire disparaître notre passion? La pression vient, quelquefois, comme pour donner de l'importance à des choses qui, certes, peuvent être légitimes, mais leur donner trop d'importance, à tel point que cette pression par rapport à une chose déterminée vient faire diminuer notre passion. Et on donne plus d'importance aux choses qui nous accaparent, à nos intérêts, qu'à la puissance de Dieu. Après, il ne faut pas s'inquiéter et se dire pourquoi la pression, elle me détruit. J'ai pensé aussi dans ma méditation que la pression,
peut engendrer la dépression. Vous savez que, on n'a pas besoin d'être un expert, j'en suis pas un, je suis qu'un serviteur de Dieu, mais les serviteurs de Dieu, ben, écoutez, ils sont confrontés à la vie des gens, ça fait partie de leur activité, et nous nous réjouissons de pouvoir les aider. J'éprouve beaucoup de joie à aider les gens, j'éprouve beaucoup de joie à écouter, à être près des gens, et à les conseiller. Mais voyez-vous, j'ai remarqué une chose, c'est que la pression, quelquefois, vient détruire les couples. Ils n'ont pas supporté la pression. Des gens sont venus me voir, je me rappelle cette dame, elle m'a dit, « Pasteur, j'ai eu un jour un grave accident, j'ai été fauché sur un passage clouté par une voiture et projeté plusieurs mètres, tous mes os, enfin tous, relativement, beaucoup d'eau ont été cassés, je me suis retrouvé hospitalisé. » Et il dit, « La pression de cet accident a amené mon mari à me quitter. » Des gens qui m'ont dit, « Pasteur, une dame me disait, « Pasteur, j'ai eu un enfant à la naissance qui est né avec quelques problèmes et cet enfant a été déclaré trisomique par les médecins. Et la pression, mon mari m'a quitté, m'a laissé seul avec l'enfant. » On sait qu'il y a des pressions qui produisent des désastres. On sait qu'il y a des gens qui vivent des pressions. Peut-être vous vivez une pression dans votre couple à cause de l'argent. Peut-être vous vivez une pression parce qu'il y a un problème au niveau des enfants. Peut-être vous vivez une pression, c'est une cause de divorce. C'est une cause de divorce à cause de vos parents, de vos beaux-parents. Il faut faire attention parce que c'est une réalité. Ça exerce une pression quelquefois. Ce n'est pas évident de gérer ou de devoir gérer nos beaux-parents ou les beaux-parents de gérer les beaux-enfants, nos beaux-enfants. Ce n'est pas évident. Il y a des pressions. Et face à ces pressions, quelquefois, il y a des cassures. Et Jésus lui-même nous enseigne. Il nous enseigne que finalement, il a résisté aux pressions. Jésus a résisté au stress. Et pourquoi ? Quelqu'un a fait, c'est Rick Warren qui a fait a eu cette réflexion. Quel était le secret de Jésus qui lui a permis de résister aux pressions ? Parce que, en fait, la vie de Jésus, c'est une vie modèle. C'est une vie qui nous aide à trouver les moyens pour nous de nous maintenir à la surface de l'eau et à ne pas faire naufrage. On en a besoin. Vous êtes peut-être arrivé des moments durs de vous poser ces questions. Mais comment faire ? Que faire ? Et là, le Saint-Esprit qui est dans votre cœur vous rappelle, oui, mais rappelle-toi, qu'est-ce que faisait Jésus ? Comment il se comportait ? Eh bien, la première des choses que disait cet homme de Dieu, Rick Warren, la première des choses, c'est l'identification. Sachez de qui vous êtes, vous appartenez à Dieu. Jésus savait qu'il appartenait au Père, il savait qu'il marchait selon le plan de Dieu. Est-ce que Dieu a un plan pour votre vie ? Oui, il a un plan. Est-ce que vous l'accomplissez ? Bien, oui, si tu le veux. Si tu veux mener ta vie, assume-la. Mais si tu veux que Dieu trace une destinée, n'aie pas peur. Il ne va pas faire de toi ce que tu ne veux pas être ou ce que tu ne dois pas être. Il y a quelquefois des gens qui voudraient être ce qu'ils ne sont pas appelés à être. C'est sûr qu'ils vont devant bien des problèmes. Notre identification, je suis du Père, dira Jésus. Nous sommes du Père aussi. La deuxième chose, c'est que Jésus était consacré. La consécration. Si votre foi, c'est accessoire, ça ne va pas aller. Si votre foi, c'est occasionnel, ça n'ira pas non plus. Il faut qu'on soit donné entièrement. Dieu n'accepte pas les demi-offrandes. Dieu veut la vie totalement offerte à lui. Jésus était offert entièrement. Ma vie, elle est à toi, Seigneur. Ma vie, elle est pour toi. Aussi, troisième chose, l'organisation. Être clair. Je sais où je vais. Je sais comment je vis. Je sais pourquoi je vis. Il y a bien des questions auxquelles j'ai répondu. Et je veux me laisser guider. Jésus savait s'organiser et mettre des priorités à sa vie pour ne pas se laisser gagner par la pression. La concentration. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un siècle aux multiples informations.
on nous accapare de tous côtés, la boîte aux lettres, la télévision, la radio, Internet, ça bombarde de tous les côtés. Et des fois, vous êtes en train, je ne sais pas, ça doit sûrement vous arriver, parce que je pense qu'ils n'ont pas que marqué mon nom, ils ont dû marquer le vôtre aussi. Vous êtes en train de manger. Vous dites, ah, un petit moment de pause là. Vous êtes en train de manger, vous parlez avec votre épouse, vous parlez avec vos enfants, il y a un téléphone qui sonne. Ah, vous vous dites, c'est important. Vous allez répondre et vous sentez que c'est pour vous démarcher. Même le téléphone. Même le téléphone. Le téléphone portable. Et quelquefois même un SMS. Un SMS. Tout de suite là, vous dites, ah, tiens, un petit SMS, peut-être il y a quelqu'un qui est en difficulté. Vous allez prendre, mais c'est encore une publicité. Vous n'en pouvez plus, vous en avez marre. Moi, je vois des gens, j'aime bien observer les gens. Un jour, j'étais devant des boîtes aux lettres au bas d'un immeuble. Bon, je ne fais pas que ça, vous inquiétez pas. Hein, je ne suis pas un voyeur avec des jumelles. Ah. Mais je me trouvais là et je regardais une personne qui ouvrait la boîte aux lettres. Elle a attrapé le paquet de prospectus qu'il y avait à l'intérieur. Et je vous assure, c'était un paquet comme ça. Et elle est allée vers la poubelle bleue. Poubelle bleue, s'il vous plaît. Vous ne trompez pas la verte. Et elle a tout mis dedans. On en a assez quelquefois. Et on a besoin de se concentrer sur l'essentiel. La délégation, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout mener. J'ai besoin de déléguer, j'ai besoin de me décharger. Et la relaxation, mais là, je pense que je n'ai rien à vous dire, vous rentrez tous de vacances, donc il n'y a pas de souci. Savoir se détendre aussi. Il y a des gens qui ont perdu la passion sous la pression. Premier individu que je découvre dans la parole de Dieu, c'est Saül. Samuel dit à Saül, mais qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Saül répondit, lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi et que tu n'arrivais pas au temps fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmash, voilà pression. Et mes amis, on a beau juger Saül, mais je ne sais pas comment on aurait réagi dans cette situation-là. D'accord? Parce que les Philistins, ce n'étaient pas des enfants de cœur, hein? On est d'accord? Ils aimaient couper les têtes. Hein? D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait, le pauvre. Hein? Et on sait finalement quelle pression. Le peuple. Samuel, tu m'as donné rendez-vous, tu n'y arrives pas. Et deuxièmement, il y a les Philistins, la pression qui est là. Et face à la pression, il a cassé Saül. Il a cassé. Et la Bible dit, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. Ça paraît être une bonne intention. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Non, tu es roi, toi, tu n'es pas sacrificateur, Saül. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. C'est vrai qu'un roi subissait des pressions énormes. Pareil, moi j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, que notre cher président de la République, toutes les 20 minutes, doit prendre une décision décisive pour le pays. Nous, il faut prier pour qu'il prenne les bonnes décisions, pas les mauvaises. Mais toujours est-il qu'on imagine la pression. Et sûrement que le roi d'Israël, qui lui en plus, non seulement avait la pression des décisions à prendre du peuple, mais en plus il était en guerre. Et sous la pression, il a cassé. Quelquefois, il y a des pressions que nous impose notre travail, notre famille, notre voisinage. Bien des pressions. Peut-être les administrations. Vous devez remplir des papiers. Ben oui. C'est pas évident, la pression. Mais la pression peut nous faire perdre la passion. Non seulement dans un couple, non seulement dans une famille, mais aussi par rapport à Dieu. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps de prier. J'ai plus le temps de lire la Bible. J'ai plus le temps. Mais pasteur, vous imaginez pas la vie que je mène. Mais comment ils faisaient nos pères? On ne sait pas. Comment ils faisaient nos mères? On ne sait pas. Ils n'avaient pas de machine à laver, ils n'avaient pas de lave-vaisselle, ils n'avaient rien. Juste un toit. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'habits à cette époque-là. Il y avait une chemise, elle faisait la semaine. Il y avait des chaussettes, elle faisait le mois. Je vais arrêter là.
je ne vais pas attaquer les sous-vêtements, vous inquiétez pas. On va rester quand même correct. La pression n'était pas la même, mais il trouvait le temps. Il trouvait le temps d'aller pique-niquer, comme dans la petite maison dans la prairie. Pique-niquer là-haut, sur la place du village. Ouais. La Bible me parle aussi de Samson. Comme elle était chaque jour à l'importuner, chaque jour à le tourmenter et à l'importuner. Samson et Delila. Delila, elle était là en train de le tourmenter, de l'importuner par ses instances. Son âme s'impatienta à la mort et il lui ouvrit son cœur. Et ça a été la chute de Samson. N'est-ce pas vrai? Quelquefois, les tentations, il y en a des tas et des tas. Tenter de faire le mal, tenter de commettre le mal, tenter de vivre dans le mal, tenter de trafiquer, tenter de voler, tenter d'être dans l'adultère, tenter de mettre de côté de l'argent qui doit revenir à l'État ou qui on est tenté de tromper les impôts, tenter. Il y a tellement de gens qui le font. Bien sûr, nous, on ne le fait pas, on est des chrétiens, on est honnêtes. Peut tenter. Et la Bible dit que Samson, il est tombé. Il a perdu sa passion. L'église d'Éphèse, je me suis posé cette question. Vous savez, cette église d'Éphèse dans l'Apocalypse, où le Seigneur va lui dire, mais tu as perdu ton premier amour, tu as abandonné ton premier amour. Pourquoi cette église, elle a abandonné la passion de l'amour? Pourquoi? Moi, je me suis posé la question parce que vous savez, la Bible, elle dit tout. Vous n'avez pas besoin de chercher, vous n'avez pas besoin d'apprendre le grec ancien et nouveau par cœur, vous inquiétez pas. La Bible, elle dit tout. Pourquoi cette église d'Éphèse a abandonné le premier amour? On sent que c'était une église passionnée. Quand vous lisez l'épître aux Éphésiens, vous vous apercevez que c'est une église, elle est parfaite. Pas autant que Limoges, mais elle est parfaite. Elle a des qualités, il est parlé d'amour dans l'épître aux Éphésiens. Lisez, vous allez voir, il y a peu de reproches que l'apôtre Paul fait à cette église. C'est une église modèle, l'église des Éphésiens. Et là, à un moment donné, Dieu dit, j'ai un reproche à te faire. Tu as abandonné la passion, tu as abandonné le premier amour. Pourquoi? Et quand on lit, il est dit, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Dieu dira, je connais tes œuvres. Ça commence bien, le Seigneur souligne toujours les bonnes choses. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Donc on s'aperçoit que cette église a été malmenée. Il y a eu des mauvais ouvriers, des gens qui se disaient apôtres et qui étaient de mauvais ouvriers, qui étaient des gens qui voulaient profiter de la situation, qui voulaient profiter de l'église, qui voulait profiter des gens, c'était de mauvais ouvriers, tu les as trouvés menteurs, tu as discerné qu'ils étaient menteurs. Il y a quelqu'un cet été qui me disait, je suis allé dans une église, et là, je trouvais bizarre l'ambiance, bon, je ne dirais pas, ce n'était pas en France, soyez rassurés, parce que nous, on a les meilleures églises en France, mais c'était à l'étranger. Et il me disait, je suis entré dans cette église avec mon épouse, un couple jeune marié, ils sont entrés dans cette église, ils disent, on cherchait un lieu de culte, on a cherché sur internet, on a trouvé une église là à côté, on y est allé. Et il dit, à un moment donné, le mari dit, à un moment donné, il y a un monsieur qui est monté sur l'estrade, un soi-disant ancien, entre guillemets, peut-être beaucoup de guillemets, et ce monsieur-là a commencé à rendre un compte rendu, enfin, nous faire un compte rendu d'un travail qu'il avait fait. Et il disait, j'ai senti du mensonge. Il disait des mensonges dans ses propos. Et à un moment donné, il a prié pour les gens, il leur soufflait dessus, il les faisait les pousser pour qu'ils tombent par terre. Les gens résistaient, pas s'ils ne voulaient pas tomber, mais lui, il essayait de les pousser pour qu'ils tombent. Et au bout d'un moment, il a dit à sa femme, ma chérie, viens, on s'en va. Tu as éprouvé et tu les as trouvés menteurs. Et cette église d'Éphèse, elle ne se laissait pas berner. Il y avait de la maturité dans cette église. Et il dira aussi, tu as souffert. Quelle pression.
quel combat, des difficultés, des tensions, peut-être même des divisions dans l'Église, à cause de bien ces choses, de ces choses désignées-là. Tu as souffert à cause de mon nom et tu t'es point lassé. Tu n'as pas dit, oh Seigneur, il y en a assez. Non, tu es prêt à souffrir. Et sous la pression, tu as abandonné mon premier amour. Moi, je le traduis aussi, peut-être pas seulement, mais aussi comme cela. Sous la pression. Quelle est la pression qui est sur ta vie ce matin? Quelle est la pression que tu vis tous les jours? Quelles sont les pressions qui peut-être te font glisser dans la dépression? Quelles sont les pressions peut-être extérieures qui essaient de te priver de l'Église, te priver de ta communion avec le Seigneur? Quelles sont ces pressions? Et ce matin, on va combattre la pression pour que tu puisses entrer dans la passion. Que tu sortes de ta pression et que tu entres dans ta passion. Alléluia, alléluia. Mes frères et sœurs, l'Église d'aujourd'hui, l'Église de Limoges, elle a besoin de plus de passion. Elle est passée où ta passion? Ta passion pour le Seigneur. On sait que quand la passion est en train de mener notre vie, la passion pour marcher avec le Seigneur, pour lui obéir, pour vivre avec lui, c'est quelque chose qui nous motive, qui nous donne de l'entrain, qui nous donne de l'élan. Et quelquefois, cette passion, elle a disparu parce qu'il y a eu trop de pression. Tu as abandonné ton premier amour. Je voudrais terminer. Avec des hommes aussi. On a parlé de Jésus, c'est le modèle par excellence, c'est notre Seigneur. Mais il y a des hommes et des femmes qui ont su résister à la pression. Et bien sûr, ils sont nombreux. On aurait pu parler de David face à toutes les attaques de Saül. On aurait parlé d'Abraham aussi, quand il s'est retrouvé avec une grosse pression avec les serviteurs qui étaient les siens et ceux de Lot. Il y a eu une pression, il fallait qu'ils se séparent. Ils ont bien réagi, ces hommes-là. Mais j'ai pensé surtout à Job, face aux souffrances, face à ses privations, face à ses trahisons. Quand vous lisez les deux, trois premiers chapitres, vous vous apercevez qu'un déversement de pression se sont abattus sur sa vie. On va lui annoncer les uns après les autres. Ses serviteurs vont lui annoncer des nouvelles. Ton troupeau de chameaux, ton troupeau de bœufs, ton troupeau de brebis, tout a péri, tout a été anéanti. Et le dernier arrive en disant, tes enfants étaient en train de faire la fête, ils ont péri. Il se rapproche de sa femme pour trouver de la tendresse. Vous savez, c'est un réflexe masculin. Se rapprocher de son épouse dans des moments comme ça et de trouver de la tendresse. Il se rapproche de son épouse et heureusement que nous avons épousé les meilleures épouses. Elles n'ont rien à voir avec la femme de Job. La femme de Job, elle va accueillir son mari, elle lui dit, tu demeures intègre. T'es bizarre comme gars, toi, hein? Mais vraiment bizarre. Tu intègres, avec tout ce qui t'est arrivé, parce qu'elle, elle avait eu aussi la même pression, parce que c'était ses enfants à elle. Les brebis, c'était un petit peu les siennes, les chameaux aussi. Et en plus, tu demeures intègre, et en plus, tu viens de t'attraper des ulcères partout dans tout ton corps, là, et tu es constamment en train de te gratter partout, tellement ça te démange, et tu demeures intègre, mais t'es bizarre comme gars. Elle avait flanché déjà, depuis un moment. La pression avait emporté, la pression avait détruit la passion, la pression avait détruit la foi. Et elle va lui dire, j'ai une solution, maudit Dieu et meurs. Comme si elle n'en avait pas assez de mort. Vous savez, quand vous perdez beaucoup de choses, il y a bien des choses que vous voulez garder, quand maudit Dieu et meurs, parce que finalement, la pression de ta maladie, je ne vais pas la supporter. Je préfère que tu meurs plutôt que de te voir dans cet état. Ouais. Quand elle avait dit, je veux l'épouser, l'aimer pour le meilleur et pour le pire, peut-être elle avait oublié ça. Ça arrive. Et là, il y a quatre amis qui viennent le voir. Et quand il le voit, vous savez, moi j'ai appris qu'en matière de secourisme, bon, je ne suis pas médecin, mais j'ai fait un petit peu de secourisme, il faut essayer de rassurer celui qui souffre. Il ne faut pas lui dire, oh, tu vas mourir. Oh, t'as vu ton bras?
il est coupé en quatre. Si vous faites ça, là, vous risquez de le voir mourir d'un infarctus. Mais les amis de Job, vous savez ce qu'ils ont fait quand ils l'ont vu? Ils se sont mis à pleurer. Ils se sont jetés de la poussière sur la terre, ils se sont déchirés les sur la tête, ils ont déchiré leurs vêtements. Job, vous êtes là pour me remonter le moral, là, et c'est dans ce spectacle que vous me donnez de voir. Et même ceux qui étaient là pour le soutenir, ils ont dit, Job, pour qu'il te tombe cette cascade de problèmes, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es posé des questions un petit peu? Qu'est-ce que tu as dû sûrement faire quelque chose de terrible, hein? Ah oui, le péché, peut-être tu as désobéi à Dieu, mais c'est vrai, tu dis que Dieu t'aime, trahison. Mais Job va dire aussi quelque chose dont on n'a pas connaissance, il dira « ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint ». Et finalement, tu peux nous l'afficher, c'est le premier verset 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce qu'il y a, c'est que Job était quelqu'un de très anxieux. De très anxieux, toujours inquiet. Oui, dans ma vie, ça ne va pas. Demain, ça ira mieux. Non, demain, ça ira pas mieux. Peut-être dans une semaine, non, dans une semaine, encore moins bien. Il est toujours là en train de dire le négatif. Oui, mais tu viens de trouver un emploi. Oui, mais je ne suis pas assez payé. Mais t'es en bonne santé, oui, mais le matin, j'ai du mal à me lever. Mais t'es dans une église où quand même il y a des gens, oui, mais tout le monde ne me dit pas bonjour. Là, celui-là, je ne sais pas qui on l'envoie, mais pasteur Bruno, non, Jean-Alain, même Bruno de Jean-Alain, on va l'envoyer à Jean-Alain, celui-là. Hein? Des gens constamment dans la crainte, dans la peur, en train de trembler. Oh, je ne sors pas ma voiture parce que je vais avoir un accident. Je ne marche pas dans la rue parce que je vais prendre une tuile. Toujours dans le négatif. Et Job, ce n'était pas tout à fait ça, mais un petit peu ça. Un jour, il a déclaré ce que je crains. Je suis dans la crainte. Et finalement, à force d'être dans la crainte, mon fils, il va avoir un accident. Reste là, mon fils. Ben oui, mais à force de le protéger, tu l'as étouffé, quoi. Il est mort étouffé dans tes bras. Ben oui, ce que je crains, j'étais dans la crainte. Et veillez à mes brebis. Vous les avez comptées ce matin. Toutes les brebis vont bien. Et les chameaux. Comment vont les chameaux? Ils ont toujours les mêmes bosses. Sois tranquille. Et t'es inquiet. Et finalement, ça lui est tombé dessus. Mais Job, malgré tout, il n'a pas perdu la passion. Il a eu des doutes, oui. Il a eu des questions, oui. Il a souffert, il a pleuré, il a gémi. Il a dû demander pardon à Dieu. Mais en attendant, il est demeuré intègre. La Bible dit qu'il est resté intègre, il n'a pas péché. Et il dira à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Ne répétez pas ça à votre femme, hein, s'il vous plaît. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Il a demeuré ferme sous la pression. Sous la pression. Quel est mon frère, ma sœur, et crois bien, si je mets un petit peu d'humour dans la réflexion, c'est pas du mépris. Mais c'est pour nous aider à réfléchir. Quelle est ta pression ce matin? Quelle est la pression qui est sur ta vie? Quelle est ta pression qui provoque de la colère? Ce matin, tu es peut-être en colère parce que tu es en conflit avec un membre de ta famille. Et cette colère-là, elle te fait diminuer ta passion pour le Seigneur. Tu as une pression à cause de ton travail. Tu as une pression à cause des charges financières qui sont sur toi. Et là, tu es dans le questionnement et tu dis, Seigneur, mais comment je vais faire? Le banquier m'a téléphoné cette semaine. Il m'a appelé en disant, oh, cher client, on vous aime dans la banque. À la banque, on ne parle que de vous. Venez, on va vous distribuer des billets. Non, en principe, quand le banquier vous téléphone, ce n'est pas pour vous dire ça. Hein. Si vous en avez un, dites-moi le nom de la banque, s'il vous plaît, tout de suite. On va demander au trésorier d'adhérer tout de suite à cette banque. En principe, quand le banquier téléphone, dit, oh, attention, cher client, vos chiffres qui étaient en noir, ils changent de couleur, ils deviennent rouges. La pression.
la pression. Ça peut me faire perdre la passion. Job a tenu bon. Daniel. Oh, on pourrait parler longtemps de Daniel. Jalousie, complot, méchanceté, idée de meurtre. La Bible dit qu'à un moment donné, on le guettait, on était en train de l'épier. On disait, on va attendre le faux pas. Vous avez rencontré dans votre vie des gens qui attendent le faux pas? Il y en a, faites attention, il y a des gens, ils aiment bien les faux pas. Ils les notent sur des carnets quelquefois. Ils aiment bien les faux pas des autres. Et là, il y avait des gens qui étaient en train de vouloir noter sur un petit carnet à spirale et à petits carreaux. Daniel, on t'a à l'œil. Et il notait sur le petit carnet à carreaux à spirale les faux pas de Daniel. Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti la Kalachnikov. Il s'est mis à prier. Il n'a pas succombé à la pression. Il s'est mis à prier. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Et je vais vous dire une chose. C'est que quand vous priez, c'est mieux que la Kalachnikov. Parce que la Kalachnikov, vous risquez de rater la cible. Mais quand vous priez, vous ne la ratez pas. Quand vous priez, vous ne la ratez jamais la cible. Amen. Il n'a pas succombé à la pression. La pression n'a pas fait de lui un dépressif chronique. Pourtant, il était ministre. Il est devenu premier ministre. Mais il n'a pas succombé à la pression. Il paraît que la durée de vie d'un ministre, c'est 6 mois. Un jour, j'ai entendu ça. 6 mois. Après, il meurt, le ministre. Il est fichu. Enfin bon, s'il y a un ministre qui m'entend ce matin, c'était imagé. Hein. Soyez en paix, les ministres. Vous avez un gros travail. Mais il semblerait que c'est 6 mois. Alors peut-être on va avoir un remaniement des ministres. Je ne sais pas. Ils ont fait plus de 6 mois. Mais toujours est-il qu'il n'a pas succombé. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par les vins dont buvait le roi. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel a pris une résolution. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux et il priait et louait Dieu comme il le faisait auparavant. Là, on arrive à la conclusion, c'est la fin de la fin. Pourquoi Jésus? Je me suis posé cette question, je vais inviter les musiciens. Et j'aimerais qu'on prenne ce chant, Jésus soit le centre de ma vie, si c'est possible. Pourquoi Jésus a-t-il amené ses disciples à 2 reprises de se trouver dans la tempête? Il aurait pu éviter, le Seigneur le savait qu'ils allaient affronter la tempête, parce que c'était l'école de Dieu. Ils sont passés par la tempête parce que le Seigneur voulait les préparer à l'avenir. Peut-être tu passes dans ta vie des tempêtes. Peut-être tu te dis, mais pourtant je fais la volonté de Dieu, pourquoi? Je me rappelle un jour, un jeune serviteur de Dieu est allé voir un vieux serviteur de Dieu. Ce n'est pas péjoratif, hein, vieux, c'est respectueux. Un vieux serviteur de Dieu. Et il lui a dit, je viens de perdre un collègue pasteur qui s'était tué en voiture il y a quelques années de cela dans notre pays. Et il disait, ce jeune pasteur s'était tué en revenant d'une réunion dans les routes sinueuses de la Savoie. Et on ne sait pas pourquoi, grand mystère, la voiture a quitté la route et dégringolé dans les ravins. Un jeune pasteur laissant une épouse avec des enfants. Et ce pasteur qui avait été proche du mort, de ce pasteur qui était mort, il est allé voir un vieux pasteur et lui a dit, c'est terrible ce qui m'arrive. C'est un choc dans ma vie. C'est un choc dans mon ministère. Et le vieux pasteur dont beaucoup connaissaient bien l'histoire, moi aussi, du moins certains aspects, l'a regardé, lui a dit, c'est vrai, tu passes une épreuve douloureuse, mais je n'oublierai jamais cette parole, il a dit, tu vas grandir, tu vas grandir. Est-ce que vous pensez que c'est une parole de consolation, tu vas grandir? Dans la pression, dans ta dépression, tu vas grandir. Soit la pression vous amène dans la dépression,
soit la pression vous amène dans la chute. Et j'ai vu des tas de gens chuter alors qu'ils vivaient une pression et se dévoiler, se démasquer. Parce que la pression, ça démasque notre état, ça démasque notre foi. Ça démasque exactement ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et vous avez des visages, ils se dévoilent dans la pression. Et c'est bon, et Dieu permet cela. Même le Seigneur va employer un mot difficile. Il faut qu'il y ait des divisions. Il faut, parce que dans ces moments-là, les gens se dévoilent. Et c'est bon, et il faut connaître les gens. Il faut connaître leur cœur. Il faut connaître quelles sont leurs priorités. Mais la pression, elle peut te faire grandir. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Tu peux grandir dans ton épreuve. Tu peux avancer avec le Seigneur. Tu peux découvrir sa tendresse. Seigneur, je suis dans la difficulté. Je suis dans l'épreuve. Viens et tu sens l'amour de Dieu. Tu sens le Saint-Esprit qui vient t'envahir, qui vient te remplir, comme si les bras de Dieu venaient te prendre en disant « Oh, mon enfant, sois dans la paix, je suis avec toi. » Mais Seigneur, pourquoi ? Pourquoi tu permets ? Je veux que tu grandisses, comme les disciples qui étaient dans la tempête. Pourquoi j'ai prévu la tempête ? Pourquoi j'ai voulu la tempête ? Parce que quand je serai parti, ils vont encore en vivre des tempêtes. Ils vont encore en vivre des épreuves. Ils vont en vivre encore des menaces. Les bras de Dieu, l'amour de Dieu, la tendresse de Dieu. Et laissez-moi vous laisser ce message. Quand on est venu annoncer combien on allait persécuter, mettre à mort les premiers chrétiens, dans les Actes, il nous a dit qu'ils se sont mis à prier. Et ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils priaient, alléluia, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec une pleine assurance. Ils n'ont pas succombé à la pression. Ils ont continué à garder la vision. Ils n'ont pas succombé à la pression. Ils ont gardé la vision. Alléluia. Ce matin, garde la passion. Et nous parlerons dans quelques temps de la vision. Garde la vision. Pour ta vie. Pour ta vie. Pour ce à quoi Dieu t'a destiné. Garde la vision. Est-ce que ce matin tu es dans la pression ? On va se laisser conduire dans ce chant. Seigneur, sois le centre. Je vais inviter aussi les frères à venir pour préparer la Sainte Cène en même temps. Juste préparer, vous attendez pour le départ, pour qu'on soit coordonnés. Amen. Est-ce que je peux vous demander ce matin, peut-être quelques instants, qu'on se lève à notre place et que ce matin nous offrions à notre Dieu un culte de passion ? Est-ce que tu es dans la pression ce matin ? Que la pression ne te fasse pas perdre la passion. Que la pression ne te fasse pas perdre la vision. Ce matin, le monde dans lequel nous sommes veut nous faire glisser sous la pression. Mais ce matin, Seigneur, je veux être dans la passion pour toi. La passion pour toi, Seigneur.